Non, pio, 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 on va continuer cette belle aventure. Non, je me rappelle pas. Oui, j'avais joué au Queen. 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 Quinch. Ouais, je sais plus c'est quoi le nom. Donc. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le coin? Faudrait que j'aille voir le panneau, voir s'il n'y a pas des quêtes marquées au panneau. Chercher les ennuis. Il y a pas de truc au panneau. La vie a évoqué l'ascenseur du recommandement. Ouais, tous les endroits où on cherche dans ce plan, t'as le bois animé. Ouais. Ouais. Ouais, cherche le chariot emprunté. Oh, le tour m'a semblé bien. Bon. Wablette! Qui Wablette? Voilà mon petit tablette. Alors, on va où? Bon, on va aller vers là-haut. On s'arrête ici. Donc, c'est à droite. En avant! Allez. On y va. Non mais qu'est-ce qu'on a dans le coin? De la magie. C'est un site d'énergie. Ah mais ça faut d'accord, ça me fait une bonne compétence. Cool, ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? On va prendre celui-là, je pense que ce serait pas mal. Ouais, maintenant. Je vais faire celui-là pour voir. T'es mon petit tablette.
où il y en avait un spectre level 6. Je vais quand même essayer de me le faire. Plus vite. Jamais, quoi. On peut peut-être y arriver. Je l'ai tué, cette saleté. Il a rien laissé. Miaou. J'ai pas de mon dada. Du coup, on va faire une petite sauvegarde. Un peu haut. Bon, il n'y a rien d'autre à récupérer a priori. Vraiment, j'ai ramassé un pantalon. Allez, mieux que celui que j'ai. En épée, qu'est-ce que j'ai ramassé? Ouais, c'est là, être presque mieux, quoi. Hein. Bah, elle est mieux d'ailleurs. Et l'autre, elle a 25 perforants. Je sais pas à quoi correspond au moins 3 le plus 5. Le plus 5 ça va être en dégâts. Même pas. J'ai un peu de mal à saisir. Hmm.
Mais bon, elle est super abîmée quoi. 66%, elle va pas aller loin. Donc on va garder l'épée que j'ai pour le moment. Moi maintenant, j'ai tué pas mal de monde. Alors soit je vais là-bas, mais là-bas ça va être un truc assez chaud à faire, je pense. Okay. Je peux aller là, à la limite. Ça je le ferai plus tard. Hein. Je vais aller là d'abord, c'est plus proche. Ablette, t'es où? Là, ils attaquent à l'être. Allez, approche. Oh merde, je t'ai pas vu. Deux cons. Plus de cadavres en coin de l'œil. Eh bien, il y arrive, oui. Ça parle les paupiètes. Ah, cuire les plantes, c'est la vie, quoi. Je pense que je vais m'arrêter, je vais aller voir le voisin, je vais tuer son chien. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Des monstres! Des monstres des marais! Les villageois m'avaient prévenu que la route était dangereuse. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Cessez de geindre et donnez-moi plutôt des détails.
Que s'est-il passé? En quoi je peux vous aider? Et n'oubliez pas, les sorceleurs ne travaillent pas à l'œil. Eh bien, j'allais vendre mes marchandises aux escadrons noirs quand mon cheval s'est emballé. Mon chariot s'est renversé, et moi avec. J'ai entendu un gargouillement, un hennissement, et puis plus rien. Quelque chose est sorti de la vase et a englouti Asher, avec ses sabots et tout. Mes marchandises sont restées dans mon chariot, mais j'ai bien trop peur pour y retourner. Je m'inquiète surtout pour une petite boîte. Rapportez-la moi, je vous en supplie. Très bien, je vais aller voir si je peux trouver votre boîte. Alors, est-ce que c'est bon son truc? Non, ça va être à côté. Donc, on va pouvoir y aller tout de payer. Enfin, une petite sauvegarde avant. Des traces de roues. Elles mènent vers les marais. Voilà le chariot. C'est sans doute la boîte dont il parlait. Elle est maculée de sang, du sang humain. Le chariot est criblé de flèches. Intéressant. On devrait inspecter les alentours. Le chariot est criblé de flèches. Une flèche? Il ne m'a pas parlé de ça. Mais ça sent l'escroquerie là. Le mec il m'a décrit un truc mais c'est pas trop ce qui s'est passé. Flèche en plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il m'a menti. Moi je dirais que t'as menti l'ami. Ça avait combien les trucs? Je sais même pas ce qu'il faut pour le tuer ces bestioles. Ouais, ils sont pas en bestiaire. Je peux essayer de m'en faire un pour voir. Bon, le 24, c'est peut-être moyen. Oh, un froid. Et elle rigole pas les bébêtes. Une flèche en plein coup. Joli tir. Soit le marchand a de sérieux problèmes de mémoire, soit il est menti.
Putain, des gars qui m'aident quoi, c'est juste aberrant. Je veux pas réveiller fou, sérieux? Oh, ouh, pinaise! Alors, je peux pas parler les coups des noyeurs. Des noyés. Enfin, des bestioles. Ça va être compliqué, ça. Une flèche en plein coup. Joli tir. Bon, je vais se garder là, comme ça. Je de sérieux problèmes. Pas le refaire à chaque fois. Soit il m'a menti. Ah, je peux pas parer. Faut que je me prenne mieux que ça. Soit il m'a menti. Non mais... Savoir qui c'est qui commande. Alors, vous avez trouvé la boîte ? Oui, j'ai trouvé votre précieuse boîte. Et un homme ressemblant fort à un charretier, avec une flèche plantée dans le cou. Il n'y a pas de dryade dans ces marais. Et ni les noyeurs ni les gonodes n'utilisent d'arc pour tuer. J'en déduis donc que le coupable... Attention ! Derrière vous ! Il n'y a rien derrière moi. Je suis sorceleur, je l'aurais entendu. Exactement comme j'entends votre cœur battre la chamade. J'espère que tu es meilleur cavalier que menteur. Oui, mais il se bat là. Un chargement. Ouais. Tu où, Ablette? Putain, dépêche-toi, Ablette. Au galop, Ablette. Faut attraper ce petit chenapan. Le soleil brille. Il faut que je le sorte de là. Debout. Non, moi je le recoupe en quatre. Ouais. Même au triple galop, la vérité finit toujours par vous rattraper. Qui es-tu? Pourquoi as-tu attaqué ce chariot? Première classe, Yann Germer. 6e division témérienne, 2e régiment. Enfin, ce qu'il en reste. On se cache dans les bois. Ce chariot était un transport médical. Pas question qu'il atteigne les escadrons noirs. Surtout que... nos gars sont malades, ils ont besoin de soins. Laissez-moi partir, ils vivront peut-être assez longtemps pour libérer le Nord.
D'accord, tu peux partir. Je te souhaite bien du courage à toi et à tes compagnons. Vous avez un drôle de sens de l'humour, mais vous êtes un homme honnête. Tenez, voici l'or que je vous avais promis. Buvez un coup à notre santé et à la mémoire de Foltest. Oh. Bon. Du coup, on est là. Bah t'as juste à côté du truc que j'allais faire. Encore merci. Et ma petite tablette là. Allez, pousse-toi là, je vais monter sur mon cheval. Allez, Ablette, on a du taf. Salut les copines! Non, bon, bah, 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 là j'ai très très mal géré le truc quoi. Bon, on va se la refaire moins que j'espère. Oh merde, je peux y arriver. Oh putain, mais ce que je prends quoi? On y va. Oh là là. Bon, on va essayer de se concentrer sur le fight. Yeah.
Oh, bah t'es. Bah vas-y, bah vas-y. Tranquille le loup. Tu comptes me faire languir longtemps? Oh putain. Putain, ça aurait été long et laborieux quoi. Il y a l'autre qui arrive. Voilà. Putain, j'aurais bien galéré quoi. Oui, un petit peu de loup. Non, une seule bête. Il y a plein de cadavres ici.
Oh, c'est quoi ces bestioles? Eh ben, on a un problème. Je me suis fait attaquer par des minimoïdes. On aurait dit des tétébis en colère, quoi. Dans le bestiaire, ah voilà. Alors, le noyeur, ça marche contre quoi? Vulnérable au signe à feu, ouais. Lui contre le nécrophage, normal. Ouais, le spectre de midi, c'est bon. Hop, 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 c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Ok. Donc, on va faire une sauvegarde et on va retourner là-bas. Je vais voir ces monstres infâmes que j'ai croisés. Savoir ce que c'est, ces bestioles. J'ai rien, moi. Ah, puanteur. Oh, mais ils sont level 6. Cassante. Oh putain. C'est qu'elles m'ont mis cher en 2-2. Oh, truc de ouf. Gentil marchand. Bonjour. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Ouais, celle-là, je vais la garder pour le moment. Ouais, mais il n'est pas en grande forme physique, quoi. À implorer le malheur de nous épargner au moins. Vous savez, sorceleurs, ils peuvent tous bien y venir. Moi, ils n'ont jamais ce que vous avez fait pour nous. C'est quoi cette icône? Il y a une quête là-bas, je vais la faire. Ablette. Au galop, Ablette. On va faire quelque chose de ce cheval ou pas? Du nerf, Ablette. Je sais pas si on peut les revendre ou quoi.
travail à faire. Les dieux vous protègent. Beaucoup de travail. Que le soleil brille. Tout va bien se passer. Oh. Vous avez perdu votre clé, madame ? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, petit poc d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard ? Ou des baies de lilas ? Ou même un peu de charbon ?» Non, que je lui ai dit, « Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça au milieu de la nuit ?» J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. Prêtez-la-moi, grand-mère. Je vous la rendrai demain. Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Intéressant. Est-il arrivé ensuite ? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais je n'en ai pas d'autre. Vous voulez bien m'aider, mon garçon ? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis, pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne, à croire que... que mon type est encore à l'intérieur. J'avoue, c'est pas cool. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. J'avoue, comme cut, y a plus bizarre. Alors, c'est dans cette maison. Ça explique la puanteur. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ? Un monocle cassé. Intéressant. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Les documents brûlés. Quelques passages sont encore lisibles. Vous avez trouvé la poêle ? Ah. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle. Pour faire de l'encre et écrire des lettres. Vous avez trouvé la poêle ? Tu te tais, femme ? Je fouine. Tenez, votre poêle. Ma poêle ? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille trogne dedans. L'homme avait besoin de la suie pour faire de l'encre. Il devait écrire une lettre urgente, apparemment. Et il a aussi brûlé des documents. Et l'autre type ? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot au Nilfgaardien. Attendez ! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Mais pour la route. Merci, vieille dame. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé ? Force d'épée un peu. Alors, épée courte de Tamaria en acier. Oh, elle fait plus de dégâts, mais pas les plus 25 de perforation. Elle est abîmée. Je sais pas si ça vaut le coup de la garder quand même. 26, 32. 26, 32, c'est la même.
66, 77. Mais je comprends pas c'est quoi le plus 5 sans. 26 et 5 ça fait pas. 22 et 5 ça fait 7, 27 quoi. Je comprends pas le plus 5. J'ai un peu de mal à saisir des moments. Quoi. Apparemment, il y a un truc nouveau, mais je vois pas où il est. Allez, je suis bigleux. On va dans ce. J'ai reçu un petit message sur Steam. Voilà. Comment faire cuire un beau filet de poisson? J'ai presque pris un level. Presque. Faut que je fasse un truc pour level up, comme ça je pourrais arrêter de jouer pour je vais aller là, tiens. Une lourde touche chaque fois. Ablette! Allez, Ablette! Allez, une cheval là! Elle monte dessus, passe pas à côté! Oh. Salut les copains. Genre ça lui a rien fait. Il est bugué celui-là ou quoi là? Apparemment. Oh les radins quoi. Qu'est-ce qu'on a ramassé? Si bien là. On ramasse quoi? Une clé. Alors clé on est dans. Ouais.
Oh. Intéressant. Objet magique. Intéressant. Très très intéressant même. Moi je suis là. Soit je vais faire un tour là, ouais je vais faire un tour là. Tablette! Allez ma petite tablette. Oh là là. Mange comme cheval toi. Hein. Du nerf, Ablette. Allez tablette! Petite sauvegarde quand même. Hop. Il y avait un truc en bas. Oh, tout doux, ma belle. Ça va être la plante que je vois sur la carte. Pas ce que je vais trouver ici, mais je pense que un site d'énergie devrait y puiser. Mamie quoi. J'ai mal géré aussi le fait de parer l'attaque. Il faut parer au bon moment pour que ça soit efficace. J'ai un peu chié dans la colle, je le reconnais. Mon médaillon vibre. Ce doit être un site d'énergie. J'ai fait rien en plus en dégâts quoi. Level 7 le bordel, j'ai fait 0 dégâts. Est-ce que je peux concocter des trucs ou pas là? Peut-être que j'ai ce qu'il faut. Des potions là pour c'est l'huile de spectre je crois. C'est dans quoi? C'est dans elle je crois, alchimie. C'est ça. Huile contre le spectre, putain mais j'arrive pas à choper ça du sabine. Peut-être dans le coin. Tiens, et qui ont pillé les tombes ici. Bon, on va essayer de se le faire en crispé. Un site d'énergie devrait épuiser. Oh, les dégâts qu'elle m'a mis, la vilaine. D'accord.
Je pense qu'il faudra que je revienne quand j'aurai la nouvelle adéquate, là, parce que je suis level quoi? 2? 1? 2? Ouais, je sais même pas quel level je suis. Level 7, je dirais bien qu'en fait j'ai pas level adéquate. Je suis level combien là? Ouais, je suis level 1 quoi. On reviendra un peu plus tard, je pense que c'est le mieux. David, je vais aller voir là où ce qu'il y a. On a peut-être plus de chance de ce côté-là. Y a quelqu'un? D'accord, je peux pas bouger le truc, mais comment j'y vais là? Ouah, je suis trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé de boue? Artisanat, un peu d'artisanat, tout nouveau, tout propre, tout neuf, tout mignon. Là-dedans, des florins, des pots, machin, truc, ouais. L'alcool. On part se bourrer la gueule. Et après, on arrête de. Ah si, j'ai des gants. Niveau 1 requis. Ah ouais. Les rôles. Bon. Et je vais aller faire ça là. Et puis ça m'arrêtera là. On va aller faire un peu du moule. Plus vite. Je dirais que c'est un camp de méchants. Loupé. Aïe, aïe, aïe. Ça m'a fait mal le bourre. J'ai bu je sais pas quoi là. Ah oui, l'air Vénus. Oui, je vais peut-être arrêter d'en boire. Voilà. Comment dire, j'ai la vision qui se trouble quelque peu.
Je vais peut-être même le virer du truc là, parce que c'est très dangereux. Hein. On va prendre ça. Hop. Et le pain. Voilà. Oh putain. Comment dire, il y a Vision qui est troublée, quoi. Apparemment, il y a encore des loups pas loin. Oh, il y a plein de trucs à fouiller. Les glyphes, les fioles. Ok. J'aimerais passer ce level avant d'arrêter le jeu, ce serait cool. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ramassé de beau? Oh, une épée. Épée en acier. Alors. Elle est mieux que celle que j'ai. Et je peux y mettre un truc. Ah ouais, on va la prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Glyphe, machin, truc, ok. Là-dedans, c'est bon. Alors. Les choses. Ouais, un rapport des petits voleurs, quoi, que j'ai une carte de petits voleurs. Et puis, voilà, quoi. Ok. Bon, j'ai sauvegardé. Je vais sauvegarder. On va laisser faire les quelques loups qui traînent. À l'attaque! Viens là, saleté! Ils sont où tes copains? Ah, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Putain, je vais crever, quoi. Et j'ai toujours pas le level up. Bon ben on va arrêter là pour aujourd'hui. Hop, on mange un morceau, hop. Bon, une petite bière blonde. Oh yeah. Voilà. Bon, on va se regarder ce nez. Et puis on reprendra ça bientôt, hein, la suite. Cette belle aventure.